C'est l'histoire d'un gamin de Bondy en Seine-Saint-Denis, qui est devenu en l'espace de quelques années le meilleur footballeur de la planète. À ses débuts à l'AS Monaco, le jeune Kylian Mbappé impressionne tout son monde, à commencer par les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui n'hésitent pas à casser leur tirelire pour s'offrir l'enfant de Paris. Arrivé pour 180 millions d'euros lors du même mercato que Neymar, le jeune attaquant a brisé tous les records du club de la capitale, dont il est devenu le meilleur buteur il y a quelques mois. Alors qu'il fête ce mercredi 20 décembre ses 25 ans, Kylian Mbappé est devenu l'une des plus grandes stars du sport. Mais malgré son exposition, l'attaquant du PSG reste plutôt discret sur sa vie amoureuse. Né dans le 19e arrondissement de la capitale, il est souvent appelé l'enfant de Bondy, la ville de banlieue parisienne où il a grandi. Et le sport coule dans ses veines. Son père, Wilfried Mbappé Lotin, né à Doula au Cameroun, est un ancien footballeur, devenu entraîneur des moins de 15 ans à l'association sportive de Bondy. Et sa mère Faisala Marie, est une bondinoise d'origine algérienne, qui a été handballeuse en première division, jusqu'en 2001. Star international aux plus de 100 millions d'abonnés sur Instagram, Kylian Mbappé n'en reste pas moins très discret sur sa vie privée. À l'inverse de son ancien coéquipier brésilien, qui fait régulièrement les gros titres pour ses frasques dans le privé, le capitaine des Bleus, qui fait aujourd'hui ses 25 ans, est un jeune homme qui s'épanche peu sur ses histoires d'amour. Beaucoup de rumeurs spéculent que le jeune footballeur est en couple avec Emma Smet, qui n'est autre que la petite fille de Johnny Hallyday. Elle est la fille de David Hallyday et Estelle Lefebure. La jeune femme est influenceuse, mannequin et actrice. Elle est apparue dans la série diffusée sur TF1, Demain nous appartient en 2019. Elle a fait ses débuts avec sa mère, pour célébrer les 10 ans de l'écor réparateur de Mixa. Début 2022, il a été question d'une love story entre Kylian Mbappé et Emma Smet, avec notamment une sortie à deux très remarquée dans un parc d'attractions. La petite fille de Johnny Hallyday a tenu à clarifier les choses sur leur relation, assurant qu'il s'agissait simplement d'une belle amitié, bien sûr, mais je le dis et je le répète, je n'ai pas à me justifier sur les personnes avec qui je suis photographiée. Je souhaite garder ma vie privée pour moi. Au moment de la Coupe du Monde 2018, une autre rumeur faisait état d'une histoire d'amour entre le joueur et la fille de Stéphanie de Monaco, Camille Gottlieb. Cette dernière a vite mis fin aux rumeurs, stop, c'est usant. Je ne peux pas faire une photo avec quelqu'un sans qu'on m'officialise une relation avec ou autre truc du style. De rumeurs qui se sont révélées fausses et à 25 ans, aux dernières nouvelles, Kylian Mbappé est officiellement célibataire. Je ne suis pas non plus un donjon enfermé dans sa tour, qui ne sort qu'en secret pour aller visiter des princesses. Disons que me rendre à un événement, ou à une fête, demande une certaine anticipation. J'encaisse. Ça ne me fait plus rien. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine.